Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, un petit tour avec 1, 2, 3 et 4 cartes, est-ce que ça tente? Ouais, mais pas n'importe quelle carte, hein. Les 4 dames. Une fois qu'on a nos 4 dames, on va les perdre à l'intérieur du jeu, quelque part. Les 4 dames perdues à l'intérieur du jeu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, un petit tour avec 4 cartes, ça tente? Mais pas n'importe quelle carte, hein. Les 4 dames. Ces 4 dames, on va simplement ensemble, carreau, cœur, trèfle, épique, les mettre de côté. Madame, vous allez m'aider. On va faire ça à distance avec votre imagination, vous allez prendre le jeu dans vos mains, partir sous la table, vous allez couper le jeu en deux, et pour marquer la carte de coupe, qu'on ne sache pas où, que ce soit moi ou vous, vous avez coupé, vous allez retourner la partie supérieure à l'envers. Et donc, on ira chercher par la suite la carte de coupe. Ok? Je vous laisse faire. Allez-y. Donc, je suis vos mains, madame. Faites-le avec votre imagination. Je pars sous la table. Je ne sais pas ce qui se passe. Je coupe une petite partie. Je la retourne face en l'air. Et on ramène le jeu ici. On va donc partir chercher notre carte de coupe. Ici. On va en prendre connaissance tous ensemble. Parce que personne ne peut savoir. Il s'agit du 9 de carreau. Ce qui est intéressant, c'est que ce 9 de carreau, on va le perdre quelque part au milieu du jeu. Et je ne touche à rien, net. Et maintenant, ce qui est intéressant, on va essayer un truc de dingue, c'est slapper les fingers. Et normalement, instantanément, il y a une carte qui remonte sur le jeu, et c'est la vôtre. Salut à tous! J'espère que vous allez bien, et ce soir, un petit tour avec 4 cartes, ça tente? Mais pas n'importe quelle carte, hein, les 4 dames. Vous vous rappelez, vous avez choisi une carte juste avant. Si on snap les fingers, instantanément, votre carte remonte. Non? Ah! Si on snap les fingers, instantanément, votre carte se retourne quelque part au milieu du jeu. Si on snap les fingers, votre carte remonte. Si on snap les fingers, votre carte se retourne quelque part au milieu du jeu. Je vais laisser votre carte au milieu du jeu, comme ceci, à l'envers, c'est important. Et on va faire un tour avec 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Vraiment 4. Ok ? Si je passe une des dames au-dessus du jeu, instantanément elle se change en 9 de carreau. Votre carte choisie, n'est-ce pas ? Donc on va faire un tour avec 1, 2, 3 et 4 cartes. Si je prends une des 4 dames, que je la passe au-dessus du jeu, instantanément, elle se change en 9 de carreau. Votre carte, n'est-ce pas? Donc juste nos 4 dames. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on continue, on a... Non, une carte, une seule, le 9 de carreau, votre carte. Parce qu'au milieu du jeu, vous vous rappelez, on a une carte à l'envers quelque part, hein, au milieu du jeu. Ce n'est pas n'importe laquelle, ou plutôt pas n'importe lesquelles. La dame de pique, la dame de cœur, la dame de trèfle et la dame de carreau, les 4 dames qui ont voyagé à l'intérieur du jeu. Merci à vous et passez une très belle soirée. Des bisous!